Ok, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo d'XP, de grosse masse XP sur Whitespring. Je vais vous montrer comment faire. Comment la lancer. Parce qu'il y a des petites procédures à suivre pour ceux qui ne le connaissent pas. On se garde toujours la gare ici bien dégagée. C'est à peu près... Ouais, à peu près comme ça, c'est bon. Ouais, c'est bon comme ça. On pourrait peut-être le voir, ouais, c'est bon comme ça. Alors, confirmer. Et voilà. Alors, on s'en va. Ah, Whitespring. Niveau de l'alerte élevé. Ouais, c'est selon moi the best place pour faire de l'XP. C'est un petit peu buggé depuis l'arrivée de Westlander. Là, il y a une pièce qui est un petit peu buggée. Mais c'est pas grave, c'est très 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 payant l'XP. En plus, on ramasse ce qu'il faut pour crafter des flux. Ça aussi, je vais faire une vidéo là-dessus. Les flux, c'est très important. Ça sert principalement à crafter des munitions à l'ultracite et aussi des sérums. Allez, on va attendre que la bombe explose. Big bada boom boom. Il peut y en avoir pour encore 1 minute. Je suis désolé du temps d'attente. Et je peux pas non plus modifier mes vidéos parce que quand je passe les vidéos dans un de mes programmes pour modifier les vidéos, quand je sors le programme, la qualité est pas aussi bonne. Et ça, c'est moche. Donc si quelqu'un a un programme pour modifier les vidéos à me proposer, assez facile, je prends. Perso disparaît, c'est bien ça. Allez, on ressort l'armure. Léo, ultracite. Allez. Pourquoi tu rentres pas toi? Attends. Quoi le problème? Oh! Un bug. Ah non, c'est bon, je suis dedans. Ouais, c'est bon. Alors, pour commencer, il faut faire une petite tournée. Attends, je vais vous mettre une petite musique d'ambiance. Option audio, musique. On n'entend pas grand chose, mais bon. Ah ouais, on entend quand même.
Ouais, faut faire une tournée pour qu'il pop, sinon il pop pas. Faut faire une tournée et puis ensuite une déco repos. Si on fait seulement une déco repos, ils popperont pas toutes. Va falloir attendre 2-3 fois ça. Il y a même des chances que ça bug. Regardez, vous voyez, ils sont par terre. Ce que je fais, je rouvre les portes. Très important de passer dans le bâtiment ici. Juste à passer, normalement, c'est. Il n'y a pas vraiment à se promener, là, juste. Comme ça. On revient par arrière. On s'en vient ici. Puis maintenant, je me dépêche chez moi. Parce qu'il faut s'éloigner de la zone. Hein. Au moins une circonférence comme ça. Là. Sinon, ça repopera pas ici dans le rond rouge. Ok, une fois qu'on est rendu chez soi. Ça va éviter parce que je vais ramasser des trucs pour faire éventuellement ma prochaine vidéo sur les flux. Peut-être de la 0.3 recyclée. Voilà. Et maintenant, on fait ce qu'on appelle une déco reco. Alors, on fait menu, quitter, revenir à l'écran principal, quitter le groupe, oui. Si vous quittez pas pendant plus de quelques minutes, quand vous retournez dans le jeu, vous retournez sur le même serveur dans lequel vous étiez si vous êtes first. Ok. Je vais aller un petit peu plus loin pour pas me faire brouter le derrière par les chiens, puis que je puisse TP rapidement aussi. Voilà, ici ça devrait être bon. Oh non! Oh non, c'est pas vrai. Attends, ça se peut pas. Non, 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 non. Dis-moi que c'est un bug là. C'était pas un bug. À moins que j'étais sur le serveur de Sergent Willow, je m'en souviens plus. C'est possible que j'étais sur son serveur. Je suis désolé pour ça. La vidéo va être quelques minutes plus longue. Oh
Ah oui, mais là, du coup, ouais, là, c'est le bon, mais là, du coup, j'ai fait une gaffe, là. Et bon sang. Ok, maintenant, normalement, on retourne à la gare de White Spring. Et là, normalement, les petits monstres verts doivent avoir popé. Les gros robots comme ça sont excessivement pesants. On tire dans les pattes en général. Et puis c'est bon. Ils dropent toujours pas. Normalement, ils dropent un réacteur. Approchez et identifiez vous. Ici, ce que je fais, je vais les attirer dedans. Hein? C'est pour les réveiller, les dégeler. Hein? Ensuite, je sors. Je fais couper des voitures. Enfin, tous les autres dans le stationnement, il faut faire sauter des voitures aussi. Parce qu'une fois qu'ils sont morts, ils se transforment en ballon d'hélium. Ils peuvent envoler à 3 km de long. Et puis là, ah. On commence l'XP. Ouais, je ramasse tout parce qu'il y a 3 trucs très importants à ramasser. Les fluides radioactifs et les 2 sortes de masse. Et on continue. Ce robot n'a pas de points. Si normalement il y a un gros robot. Ah non, il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Bizarre. Bizarre. Tant pis. Eux, ils donnent pas de points, c'est les blancs qui donnent des points. Ah, il est là le robot. Il n'y a pas repop. Hein? D'habitude, il y en a ici. Mais ils ont pas l'air d'avoir popé. Ah ouais, ils ont popé. Des totons. Et puis après on les tue.
Les sacs d'engrais ici. Très bon. Ici, vous avez la seule... Attendez, il y a une araignée là-bas. Petite mouche, pas là. Non. Ici, vous avez la seule fontaine qui guérit de vos maladies. Regardez en bas à droite. J'ai une maladie. Et puis, je bois de l'eau. Et voilà, j'ai plus de maladie. C'est la seule fontaine qu'il y a comme ça dans le jeu qui soigne les maladies. Mais je les soigne jamais, moi ça revient trop vite. Ici, des fois ils ont des masses. Là, des déchets. C'est bon, ça se prend des déchets. Lui, des fluides hautement radioactifs, c'est ça qu'on cherche. Quand on fait White Spring, c'est l'XP ou les, comme j'ai dit, les masses et les fluides. Ici, maintenant, il faut vider pièce par pièce, chose qu'on devait pas faire avant. Avant, ils sortaient toutes. Tu faisais une tournée et puis on les tuait tous sur le court de tennis. Espérons que ça soit débogué à un moment donné. Voilà. On drop. Ensuite, on change de pièce. Ici, on fait le tour pour les faire popper. Tac, tac. Tac, tac. On revient toujours dans un coin. Recharge! Oh! Maintenant, on change d'étage. On s'en va en bas. Trois étoiles. Il y a beaucoup, beaucoup d'étoilés ici en passant. Ah, bon, toi. Ouais, ouais, ouais. Reste ici. T'es pas du temps d'aller. Ouais, on met ton stuff, toi. Toi aussi. Ouh, yeah. Qu'est-ce que tu me dois? Bon, ok, sans commentaire. Non, moi il reste une petite pièce ici. Buggé. Ouais, il y en a, ouais, c'est ça, il y en a un ou deux qui traînent ici. Clac. On continue. Le ballon d'hélium. Normalement, j'ouvre les portes et je marche qu'au coin de la rue, mais des fois, la première tournée, ils sont pas complètement complètement transformés. Et ça dure 2 heures, une bombe, hein, donc vous avez le temps de faire, si vous êtes solo, de faire 6-7 tournées si vous vous dépêchez. Sinon, en groupe, c'est plus dans les 3 ou 4 tournées que vous pouvez faire. Des voitures, toujours faire exploser des voitures. Vous allez comprendre quand vous allez avoir une voiture qui va sauter à côté d'un tas de cadavres. Mais pourquoi il n'y en a pas plus que ça qui m'ont suivi, hein? Pas normal, c'est supposé en avoir beaucoup plus que ça. Ah, ça arrive encore.
enfin. Quand vous êtes plein. Une seconde. Ah oui, oui. Quand vous êtes plein, moi ce que je jette, on peut les vendre aux vendeurs, mais ah là là. C'est tranquille, oui. Objet. Aide. Viande ionisée, on n'en a pas besoin. Viande de rat de serre, on n'en a pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Sang luminescent, c'est très très lourd. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. J'ai déjà mon maximum de mitraille. Et j'ai déjà acheté tout ce que j'avais acheté. Ici, d'habitude, il y en a quelques-uns qui sont séparés. Mais une fois qu'on les a tués une fois, la prochaine fois, ils vont tous être ici. Il faut juste les grouper une fois, puis il faut qu'ils meurent. Il faut qu'ils meurent ici. Un petit truc à savoir. Allez, viens, toi. Allez, pas là-bas. Voilà. J'en vois que 3, il y en a peut-être un ou deux autres de cachés. Voilà. Maintenant ici, en général, le plus vite possible, bon, faut péter ce qu'il y a là. Ah oui, il y a un robot. Très payant le robot. Voilà, il n'y a plus de robot. Les blancs sont payants. 104 d'XP. 104 d'XP. Et ici, un de moins. Ah, vous voyez? Vous voyez le truc explosé là? Putain, il est parti à. Puis là, il n'est pas parti loin encore. Hein? Il aurait pu partir pratiquement de l'autre côté de la map. Hein? Là, moi, ce que je fais ici, je les attire tous dans la maison. Je fais un tour de la piole. Un petit radaway. J'ai pas mis mon skill qui fait en sorte que le radaway agit plus vite aussi. J'essaie de vous montrer que j'oublie des choses tout le temps. Ah merde, je l'ai pas le tué. Bon, maintenant, je vais le faire ici. D'habitude, je vais devant la maison. C'est pas grave. Plutôt, c'est fini. Allez, viens ici, toi. Viens. Viens voir tonton. Ouais, tiens. On vide, hein? on vide. Et là, même chose, on court jusqu'au coin de la rue. On essaie de les attirer. Ça bug encore. Quand on fait beaucoup de déco reco, ça arrive de temps en temps. Plus vous allez faire des déco reco, à un moment donné, ils dropperont plus rien. Ça, j'ai remarqué ça de temps en temps. Moi, ça me le fait en tous les cas. Ok, normalement, vous pourriez marcher jusqu'au vendeur et vendre ce que j'ai jeté tout à l'heure. Là. Allez, je vais vous le montrer, mais moi, le vendeur, il est bugué encore une fois.
pas. Est-ce que le robot va vouloir me parler? Parce que d'habitude, il Servir et buguait. protéger. Et non. Et non, le robot veut pas me parler. Bugué, bugué, bugué. Non. Terrible. Terrible, 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 terrible. Vous avez besoin de moi. Terrible. Donc du coup... Bon, enfin, je lui vends normalement, je lui vends jusqu'à mes 1400 capsules. Là. Je lui vends mes viandes ionisées. Je lui vends mes sangs luminescents. Moi, les radics, je les utilise pas. Ça, c'est bon, les buff out, c'est bon. Les tenues, je regarderai pas, là, mais... Non, pas ça. C'est bon, munitions. Bon, je ferai ça plus tard. Là, je vais essayer de vous montrer ce qu'il faut garder. Bon, d'habitude, je peux poser ma tente ici. Mais là, à première vue, je ne peux plus. Bravo. Ah. Tiens, tente ici. Je scrape mon bric-à-brac. Et à garder impérativement dans Hyde, vous gardez les fluides hautement radioactifs. Vous gardez les masses luminescentes, mais seulement à la même quantité, parce que vous faites plus de masses luminescentes que de fluides radioactifs. Donc on va en mettre 13 seulement. Voilà, 13, 13, et ça en prend 3, ça prend une autre sorte de masse, ici, 11. On les garde. Et puis ça, ça va prendre ces 3 trucs-là pour crafter des flux. Dont je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Là, normalement, ce qu'on fait, on s'en va hors de la zone. On fait encore une déco-reco. On y retourne et normalement, tous les bouffis ont repopé. On recommence et ainsi de suite. Et on regarde, on conserve bien précieusement les deux sortes de masse et les fluides radioactifs. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo quoi faire avec pour les transformer en flux stable. Alors voilà qui met fin à la vidéo de la bombe sur White Spring pour un max d'XP et le ramassage de ce qu'il faut pour crafter des flux. Alors je vous dis à la prochaine vidéo les amis.